pourrais sauter sur lui s'il me le permet. Quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Et me dis, c'est quoi ça? Je vais sauter sur lui. Je vais tomber sur lui. Là, ça va entraîner d'autres choses. Je vais rougir, non, ça. D'autres choses, ça peut être bon. Après, je sais pas moi, si on avait un programme, on le casse d'abord. Ah, oh. Et qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Son thorax. Ah, là, c'est qui au milieu là, non? Aïe! C'est qui en bas là, non? Le goût de ça! Wow. Coucou mes amours, je vous salue, je vous aime comme toujours et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau ou si tu es nouvelle, n'oublie pas le plus important, abonne-toi d'abord et clique également sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà. Aujourd'hui, je fais un coucou spécial à tous les Haïtiens, les gars. Je vous aime beaucoup, je vous l'offre. Je vous souhaite du meilleur et abonnez-vous, hein, c'est le plus important parce que je ne vous vois pas dans les statistiques. Abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Et surtout, masse de partage et masse de likes pour cette vidéo. Voilà, le thème d'aujourd'hui. Les filles, dites-moi, quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Oui. Qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Quelle serait ta réaction? Toi qui regardes la vidéo, lâche ton avis en commentaire et surtout, marque le nom de la personne qui t'a le plus intéressé dans la vidéo. Qu'à la fin de la semaine, cette personne sera nommée comme Miss ou Master de la semaine. A plus! Salut! Salut! Comment je t'appelle? Christelle. Ivana. Marlene. Fleur de miel. Adidja. Je m'appelle Olivia. Je m'appelle Fortune. Christelle. Maman, c'est ce qu'on dit de Christelle, maman. On dit quoi de Christelle? Que les Christelles sont les coiffeuses. Oh. Tu es coiffeuse aussi, ma mère? Non, non, je sais coiffer, mais je ne suis pas coiffeuse. Non, il faut y avoir ton salon. Ah, moi, je vais me coiffer. Est-ce que tu es prête pour ma question? Je suis prête. Maman, oh, dis-moi, quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Point d'interrogation. Si je surprends un homme nu? Si je surprends un homme nu, il est nu, non? Est-ce qu'il y aura? Non. Ne me dis pas que tu y auras. C'est un gars pour qui tu fantasmes. Donc, tu as toujours rêvé du gars. Et bam, tu tombes sur lui tout nu. Je vais sauter sur lui. Eh oui. Maman est à bord. Mais bien sûr, si c'est un gars pour qui je fantasme depuis peut-être un bout de temps, je vais sauter sur lui s'il me le permet. Et puis. Une fois. Mais bien sûr. Les filles de Douala et maman. Ah bon? Attends, dis-moi. Et si le gars, lui, après, là, il veut quelque chose de sérieux, est-ce que tu serais prête? Bien sûr que si. Déjà que c'est ton fantasme. Bien sûr. Ivana. Hey, maman Ivana, moi, non, tu dois me dépasser en taille, heureusement. C'est déjà, tu n'as pas bien vu. Regarde, reviens. Ok, Ivana, dis-moi. Est-ce que tu es prête pour ma question d'aujourd'hui? Non, non, c'est quel genre de question d'abord? Aïe, aïe, aïe. C'est très lourd, ma chérie. Dis-moi, quelle serait ta réaction si tu surprends un homme tout nu? Point d'interrogation. C'est mon homme. Non, genre, c'est un homme sur qui tu fantasmes. Oh, les beaux gosses. Mon Dieu. Je vais tomber sur lui. Wow. Ah bon? Ouais, ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Parce que quand tu fantasmes sur un gars, quand tu le regardes là... Toi-même, qu'est-ce que tu vas regarder? Non, moi je le connais pas, c'est pour ça que tu te demandes. Ah, là, c'est qui au milieu là, non? Aïe! C'est qui en bas là, non?
le coup de ça. Waouh. Donc tu prends un homme nu. Et attends-moi, est-ce que tu vas avancer pour faire tes avances? Non, fais semblant. Hey, pas fait semblant. On laisse ça avance. Ah bon. Tu vas la tirer vers toi. Ah oui, oui. Ah, oh, bébé, les manières. Oh. Et maintenant, les techniques, maman. Marlene. Ah, Marlene, je suis avec une blanche aujourd'hui. Oh. Peut-être que ça peut me contaminer. Ok, Marlene, dis-moi. Est-ce que tu es prête pour ma question? Pas encore, mais vas-y, bombarde. D'accord. Ok, Marlene, dis-moi. Quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Point d'interrogation. Si je surprends, ça dépend de quel homme c'est. Je prends un cas. Disons l'ami de ton gars. L'ami de mon gars, je le surprends nu. Eh ben, je vais juste fermer mes yeux et lui dire, s'il te plaît, est-ce que je peux te rhabiller? Ah! Attends, dis-moi, si tu le surprends nu et que lui peut-être en ce temps, il a les intentions. Les intentions de quoi? On ne sait jamais. Ah, non, il n'y a pas d'intention avec l'ami du gars. Comment? Ah bon? Oui. Attends, dis-moi, si c'était ton gars que tu surprenais à l'ONU. Ah, mais c'est autre chose. Ah bon? Qu'est-ce que ta réaction? Attends, je le surprends déjà, il sort de la douche ou je sais pas moi. Genre, tu viens d'arriver, pap, tu ouvres la porte, tu trouves ton gars nu. Nu. Il faisait quoi nu? Je suppose que ça peut être qu'il sort de la douche, qui sait. Ah, d'accord. Ah, ok, ok. C'est bon. Non, mais là, c'est autre chose. Hein? Là, ça va entraîner d'autres choses. Eh oui! D'autres choses, hey, d'autres choses là c'est quoi? D'autres choses, ça peut être bon. Après, je sais pas moi, si on avait un programme, on le casse d'abord. Aïe! Fais d'abord les choses. Oui! Aïe! Yeah, maman, le gars là est bon, hein! L'eau de miel, ouais, le nom là, je sais pas. Je suis coincée, non, les deux sont mon enfant, mais attends, dis-moi, fleur de miel, quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Point d'interrogation. Si je surprends un homme nu, c'est mon gars, c'est mon mec. Bon, disons que c'est peut-être un gars pour qui tu craques, genre, tu fantasmes pour le gars et un jour, pam, tu le surprends nu. Je vais, en fait, si je vois nu, je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Peut-être si je prends un exemple, vous êtes à la piscine, il est peut-être parti pour s'échanger, pop, tu entres là, tu dis waouh! Je vais rougir, non, ça! Ah, le voyant, certaines intentions vont monter à ma tête, bon, tout ça, mais je vais quand même me retenir. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Son thorax! Pardon. Son thorax. Oh, les filles du laboratoire, oh, son thorax. Hein, maman? Oui. Non, tu vas pas regarder. Oui. Eh. Ah, non, mais il y a mal. Tu as tout pas comme ça, je veux voir directement. Bon. Adidja, tu es d'où? Du Nord. Wow. Mais tu ne sens pas une fille nordiste, hein? Ah. Mais, tu dois la changer. Moi, je sais que les filles nordistes sont un peu noires. Je suis brune. Non, tu es pas brune, mais tu es quand même, tu as mon teint ébène. Waouh, d'accord, là ça se comprend. Ok, dis-moi, est-ce que tu es prête pour la question? Je suis prête. Voilà. Quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Point d'interrogation. Il va partir. Hé! On dit que c'est un gars que tu as toujours rêvé. Ah, je sais pas, là je peux pas vraiment dire. Parce que c'est quelque chose que c'est quand ça arrive que tu réagis. Et là maintenant il peut pas dire comment il va réagir. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas, on a des mais je ne sais pas. Tu vas seulement fermer les yeux. Il veut dire, c'est quoi ça? C'est tous. Non, imagine que c'est pas de sa faute s'il est nu. Tu le dis, je te supplie quelque part là, il est en train peut-être de vouloir s'habiller. Bon, je crois que je vais rester silencieuse et sortie de la pièce. Ah bon? Je suis sûre que ça sera ça ma réaction. Eh, hey, mais tu serais contente quand même. Ah, ça dépend. Il y a du bon gars pour qui tu fantasmes, c'est ce que ça veut dire? Est-ce que voir un gars pour qui je fantasme nu, c'est vraiment quelque chose de... Pour moi, en tout cas, c'est pas vraiment quelque chose qui va me rendre... Ah bon? Hey. Olivia, ha, olive oil. Mais j'espère que tu vas créer bientôt ta marque d'huile. Ou bien tu attends quoi? Bon,
Pas pour le moment, mais bientôt il y a un marque, il y a pour le tissu. Ah bon, et tu aimes d'abord le teint du marché, c'est ça? Ok, attends, dis-moi, est-ce que tu es prête pour ma question? Je suis prête. Ok, dis-moi, quelle serait ta réaction si tu surprends un homme nu? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Point d'interrogation. Peut-être qu'il est étonné, non, mais il y a que la fois qu'on voit un homme nu. Attends, dis-moi, c'est un gars pour qui tu fantasmes, non? Tu nous connais les filles, on fantasme souvent. J'ai un mec que tu as toujours rêvé là, tu le surprends tout nu. Non, mais rien que mais je serais un peu hésité, mais je ne veux pas tomber sur lui. Ah bon? Non. Et qu'est-ce que tu regardes en premier? Ben, première question, le bas, non? Le bas, ha ha! Attends, dis-moi, et si maintenant, après avoir vu le gars, hein, il se sent déjà, qu'est-ce que tu vas faire? La fille est partie. La fille, si tu vois la chance là devant toi, fantasme pour un gars depuis, puis tu le vois dans une situation, tu pars comment la vie? Mais je pars non. Ah bon? Oui, non. Elle est avec un fantasme, lui, c'est qu'elle le voit, elle va tomber dans l'occasion. Non. Ah bon? Oui, non. C'est vrai que tu te comportes. Quel comporte comment? Genre, tu te comportes, tu vois un homme comme ça là, un homme qui tu as fantasmé depuis. Genre, un homme d'adieu comme ça un jour. Même c'est David, d'adieu, c'est qui? Depuis qu'elle fille dit que j'arrive, c'est qui? Eh ouais! Ah bon? Oui, non. Même sur les jeux, pas. Oui, elle va payer pourquoi? Quelle serait ta réaction si tu surprends un homme tout nu? Point d'interrogation. Je vais d'abord faire en sorte qu'il me voie, après je vais patcher. Ah bon? Oui. Attends, supposons que c'est un gars qui tu craques, genre. C'est le gars qu'on regarde souvent là, oui! Je vais rien faire, je vais juste partir. Ah bon? Oui. Tu as craqué pour un homme? Point d'interrogation. Non. Quand on dit craquer, tu sais ce que ça veut dire, non? Mm-hmm. Genre, tu restes comme ça, là, oui. On se retrouve tous les filles, là, hein? Tu vois un côté caché, là, ma chérie. Je vais juste partir. Ah bon? Je vais faire quoi, oui. Je vais faire en sorte qu'il me voie, non? Mais après, je pars. Ah bon? Oui. Pourquoi tu vas faire en sorte qu'il te voie? Parce que je veux vouloir. Ok, merci d'avoir essayé de répondre à la question. Merci, de rien. J'ai une bite.